Salut les amis, je joue contre Mohamed Omoza, qui est beaucoup mieux classé que moi. Donc ça va être difficile, mais c'est pas grave, c'est contre un joueur bien classé qu'on progresse. En plus, il n'y a pas d'incrément. Donc il faut que je fasse très très attention à ma gestion du temps. Alors, ok, donc là il fait une attaque sur le flanc. Donc contre ça, je sais ce qu'il faut faire. Enfin, ce que recommande John Bartholomew dans son répertoire de la Scandinave. A6, B5. Après fou B3, on sacrifie temporairement ce pion. Donc pour l'instant je gagne du temps parce que j'ai pas encore besoin de réfléchir. Jusque là je connais. Ensuite j'échange les dames, il va reprendre soit avec le cahier, soit avec le roi, et je joue E6 dans tous les cas. Suivi de fou B7, et ensuite on va reprendre ce pion. Alors, cavalier E5. Vraiment, on joue avec ce cavalier là. Oui, je pense que c'est ça. Pour empêcher C6. Parce que si je prends ce cavalier là, donc pour attaquer ce pion une deuxième fois, le problème c'est qu'il joue C6. Ça m'est arrivé dans une partie récente. Donc c'est pour ça maintenant je me souviens qu'il faut jouer cavalier FD7. Et si on échange, on peut toujours pas jouer C6. Puisque le cavalier ne défend plus C6. Pour l'instant, j'ai aucun problème, je vais récupérer le pion tranquillement. Est-ce que je récupère avec le fou ou avec le cavalier? On a envie de naturellement le prendre avec le fou pour pouvoir roquer. Hein. Je reprends avec le cavalier, ça va retarder le roque. Certes, j'attaque ce fou là. Je vais quand même reprendre comme ça. Alors, qu'est-ce qui menace? Pion prend, pion prend. J'aurai un pion isolé. Mais si je prends et reprendre comme ça, je peux pas roquer tout de suite. Est-ce que j'aurais pas mon fou là? Et si je joue à 5? À 5, ça me dérange pas spécialement. Ou alors j'ignore et je roque. Qu'est-ce qu'il va jouer pour m'embêter après? Non, je vois pas comment il m'empêche de roquer. Mais s'il change là. Tac tac. Peut-être encore ça après. On prend. Et s'il faut prendre. Non, il n'y a pas faut prendre parce qu'il y a cavalier prend. Mais s'il fait. S'il change pas là alors. Puis on prend, fou prend. Bon, j'ai quand même un pion isolé. Après, il sera sur le bord quoi. Puis on prend, fou prend. C'était quoi je disais? C'était fou ici. S'en fiche, on le prend. Ok, on va jouer ça. J'ai pas pu jouer aussi vite que je voulais. C'est comme ça. En fait, si pion prend, fou prend, j'ai pas vu, mais j'attaque la tour. Donc, y a pas joué fou là. J'ai envie de prendre son fou parce que ça va activer son mauvais cavalier. Mauvais parce qu'il est près d'un bord. Et de même, lui, il n'a pas envie de prendre mon fou tout de suite parce que ça va juste aider mon cavalier à se développer plus.
Ah oui, il aurait pu attaquer mon fou comme ça. Mais je pense à sa tour. Il a fait une boulette. Si je prends la tour, j'ai quoi? Il va clouer mon cavalier. Ouais, j'ai gagné une tour, ça oublie un cavalier. Au pire, je reviens là. Ouais, ouais, il a fait une gaffe là. Alors, est-ce qu'on rock maintenant? On va rocker pour simplifier. Pas impossible que l'échange des fous soit meilleur, mais... on va pas se lancer dans les calculs de malade pour en être sûr. Change tout simplement. Ouais, donc là, il va essayer de récupérer un pion. Non, il le récupère pas. Il est défendu par le cavalier. Allez, va-t'en, le fou. Pour l'instant, son cavalier peut pas bouger. Il ne peut pas s'approcher. Il est bien contrôlé. Sinon, on échange. Alors, quel est le plan ensuite pour réussir à échanger plus de pièces? Essayer de doubler les tours. Tour à 5. Ça sert à quoi, tour à 5? Je vais venir là. Bon, je ne peux pas jouer ça parce que... pas tout de suite jouer ça. Parce qu'après, mon cavalier est plus défendu. Donc peut-être que j'ai d'abord joué ça. Non, je peux pas. C'était pas un super coup, ce que je viens de jouer. Alors, je vais jouer E5 d'abord et essayer de passer par ici. Dès que j'aurai fait ça, il va mettre son fou ici, il va récupérer un pion. C'est mes pions. Ah. J'ai l'impression que là, il me facilite la tâche. Faut pas se poser de questions. Non, pas de gaffe comme ça, s'il te plaît. On va doubler les tours. Pour l'instant, faut faire attention au mode du couloir parce que ma case de fuite n'est pas une case de fuite. Bon, j'ai rendu un pion. Ouais, s'il le prend, il faut qu'il prenne avec la tour. Ouais, sinon, je vais aller là-haut. Je vais tenter d'échanger les tours. Il y a deux pions passés maintenant. Laisser faire l'échange lui-même s'il a envie. Alors, il faut que j'active mon roi pour cette fin de partie. Fin de partie qui s'annonce compliquée. Surtout si je commence à gaffer, à enfermer ma tour par exemple, ça serait con. Il va jouer ça. Alors si après s'il bloque ses deux pions sur les cases blanches, ça peut être bien pour moi. Je vais réussir à les ralentir beaucoup, normalement. Parce qu'il va avoir du mal à chasser mon roi en fait. Avec juste un fou blanc. On va profiter que le fou est cloué pour en s'espion, il peut pas le prendre.
Ouais, il va essayer d'activer son roi en fait. Donc comme j'ai perdu un pion, je peux plus sacrifier ma tour contre son fou pour avoir une meilleure position du roi à la fin. Puisque je me trouverai avec un pion de retard. Est-ce que je me mets là pour bloquer le roi là, à tout jamais? Est-ce que ça marche? Si je fais échec, il va venir là, je refais échec. Ils sont obligés de revenir. Et j'ai envie de gagner, j'ai pas envie de répéter les coups quand même. Je devrais pouvoir gagner là. Je pense qu'il n'y a pas de risque à essayer de gagner. Encore du temps. Objectivement, ça devrait être gagnant. Il va pouvoir attaquer mon pion, mais soit je le défends, soit j'attaque les autres. C'est vrai que j'ai pas une super structure. Alors, si je fais échec, ça mène à pas grand-chose. Échec qui vient là. Ouais, je veux ça pour que s'ils prennent mon pion, je prenne l'autre en défendant celui-là. Et si sacrifie un pion, je prends. Est-ce qu'il peut aider à on est l'autre à promotion? C'est possible. Ouais, je me mettrai là, j'ai encore de la place. J'espère que je me suis pas planté dans ce que je viens de dire. Je me mets là. Pas forcément tout de suite d'ailleurs. Il n'y a aucune urgence. Peut-être attaquer mon pion, mais je vais lui laisser, je vais prendre les autres. Peut-être même d'abord je vais l'avancer pour qu'il perde un petit peu de temps. Ils sont obligés de mettre son roi là pour continuer à m'attaquer. Est-ce que ça lui donnerait pas le temps de défendre le pion? Et si j'attire son roi là-haut, peut-être que c'est moi qui peux l'embêter. Je sais pas pourquoi il met son fou là. Pour moi, ça sert à rien. On va se mettre là pour qu'il ne fasse pas une fourchette. Je suis sur une case noire, il pourra jamais, jamais, jamais me forcer. Minutes restantes de chaque côté. Peut-être mettre son fou ici. Là, je peux commencer à envisager des bons sacrifices maintenant, par contre. Vu les pions que j'ai grignotés, j'en ai grignoté deux déjà. S'il vient là pour empêcher le pion d'avancer, bah déjà ça n'empêche pas vraiment. Je pense que j'ai gagné là. Et même s'il vient là, je peux juste prendre. C'est complètement gagnant. Ouais, il abandonne. Yes!
Belle victoire contre un 2093. Ça m'est pas arrivé souvent. Donc, si vous voulez, il a fait une gaffe, c'est sûr, mais quand vous faites une bonne ouverture, où vous égalisez ou même prenez un léger avantage à la fin de l'ouverture parce que vous avez des connaissances d'ouverture, bah votre adversaire est plus susceptible de finir par faire des gaffes que si c'était lui qui avait une bonne position. Là, par exemple, l'ordi, il adore la position des noirs déjà. Enfin, il adore. Moins 0,2, c'est-à-dire que les noirs ont pris l'avantage, alors que au début de la partie, c'est les blancs qui ont l'avantage, un petit avantage. De la Scandinave, si on revoit l'ouverture. Donc ça, contre cette formation très spécifique, quand ils n'ont pas encore joué KIC3, ils conseillent de jouer A6, John Bartholomew, dans son répertoire sur Chessable. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, le coup C5, les adversaires peuvent être surpris s'ils le connaissent pas. Ça ressemble à un sacrifice de pion, mais en fait, on le récupère. Et soit les blancs ne peuvent plus roquer, soit ils ont un très mauvais cavalier. Ensuite, E6. Déjà là, l'ordi considère qu'on l'a égalisé. Il y a eu quelques parties de maître dans cette position exacte. Donc ça prouve que ça existe. Donc il défend le pion qui est attaqué, normal, en développant une pièce. Et là, c'est bien de jouer fou B7. Il n'y a pas d'urgence à reprendre le pion. Il faut mieux développer le fou d'abord. Et contre ça, ah, j'aurais pu mettre passer par là. Ouais, ça c'est mauvais. Puisque ça autorise C6. Il serait qu'on peut passer soit par là, soit par là. L'ordi préfère finalement comme j'ai fait. Il doit y avoir une raison pour laquelle c'est dans le répertoire. Donc après l'échange, pour le moment j'ai pas eu besoin d'utiliser de temps. Effectivement c'est mieux de reprendre avec le fou, c'est naturel. Ah, il aime bien roi E7, même pas besoin de roquer selon l'ordi. Vu qu'il n'y a plus de dame, pourquoi pas. Ah là j'ai hésité quand même longtemps entre roque et fou C6, les deux sont bien apparemment. Prends. J'ai pas voulu prendre avec le pion. Là encore, ça change pas grand chose. J'ai pas trop envie de mettre mon fou en A8. D'avoir un pion ici. Et donc là, bah, il a juste pas vu. Il perd une tour. Il perd une qualité en tout cas. Donc boum, l'évaluation descend à moins 2. Et après, on voit qu'elle va remonter parce que j'ai rendu un pion à un moment. Donc là, j'ai roqué. Je me disais que c'était sûrement mieux de jouer ça, mais je voulais pas prendre de risque parce que. C'est-à-dire qu'après, il menaçait de faire un clouage m'empêchant de roquer. Mais en fait, finalement, pourquoi roquer? Il n'y a plus de dame, il n'y a plus beaucoup de pièces. On peut très bien jouer roi E7. De toute façon, le roi il est mis au centre maintenant. On est presque déjà à la fin de la partie. Je n'ai pas pensé à mettre le roi au centre. Je voulais encore roquer. Bon, c'est pas non plus mauvais. Là, j'échange les fous. J'active mon cavalier. Donc là, il était un peu mal placé, peut-être. J'ai eu des problèmes. Il aurait été mieux là. Là, pardon. Ok. Moi, j'ai tout de suite tenté par attaquer le fou, mais en fait, il est mieux là parce que là, il contrôle certaines cases d'accès du fou. Moins 2. Et où est-ce que j'ai rendu un pion? C'est un peu plus tard.
Donc là j'ai toujours deux pions, une qualité d'avance. Ouais, 5 pions chacun. C'est là que j'ai rendu un pion. En même temps, pour ne pas le rendre, il aurait fallu jouer tour A8. Alors peut-être au coup d'avant il est mieux. Tour B8 pour jouer. Ouais, pour attaquer celui-là là-haut. Ouais. Et si je fais ça. Ah, propose un échange de tours. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à tour B8. Donc je rends un pion, c'est pas grave. Alors là, j'ai fait une boulette, carrément. L'ordinateur préférait largement que j'échange ici. Ah, parce que après, une fois que je chasse le fou, je viens là-haut, mais non, parce qu'il peut encore défendre. J'aimais bien au contraire avancer mes pions, alors c'est un peu contre-intuitif. Et c'est un peu trompé dans sa progression avec les pions là. Une fois que les deux pions sont sur les cases blanches, il peut plus avancer. Ça c'est un truc connu, il me semble. Que quand vous avez deux pions passés avec un fou, il faut pas les mettre sur la même couleur que votre fou. Après, une fois qu'il y en a à ce moment-là, c'est déjà trop tard, il est obligé de l'avancer celui-là. Sinon il le perd. Déjà, ils sont sur la même couleur que le fou. L'ordi aurait largement préféré C4 d'abord, et ensuite les lancer dans le sens là, celui-là d'abord. Et là, s'ils sont accompagnés du roi, j'ai vraiment du mal à les arrêter. Une fois que j'étais dans cet état-là, j'étais plutôt content. Il aurait pu jouer ça pour m'embêter plus. Après ma tour était passive. Ouais, ça m'embête pas tant que ça non plus. Ça devient déjà super difficile pour lui. Et ça, c'est un mauvais plan. Il peut rien faire avec son roi. Il a cru qu'il pouvait m'embêter, peut-être, mais non. Le roi aurait dû rester sur l'aile roi, ou protéger ou accompagner les pions. Ou essayer de s'infiltrer, non pas tout de suite forcément parce qu'il est bloqué, mais essayer de s'infiltrer dans mes pions. Bon, ça c'était un coup inutile, roi B8, roi B6. Ouais, mais j'avais quand même pas envie de le laisser aller trop loin, son roi. Et après, là, je pense que c'est gagnant, bah, c'est sûr. Roi B8, et on se rend compte qu'il peut rien faire. Voilà. Une belle partie. Deux imprécisions, deux erreurs, une gaffe. Donc, première erreur. Ouais, ça on a vu, j'avais pas besoin de roquer. Il suffisait que j'échange et que je joue roi E7. Et là, ouais, là, j'ai plus de mal à comprendre pourquoi c'est mieux d'échanger dans ce sens. Peut-être pour gagner un temps. Le fou est moins bien placé que là, donc je gagne un petit peu de temps, mais j'étais trouvé que je gagnais du temps aussi à activer mes pions pour pouvoir centraliser mon roi. Et donc là, l'ordi préférait ce coup-là qui donne aucun pion. Je me suis dit, ok, je donne un pion, mais j'en prends un. On prend celui-là. Ok. Bah voilà, mais je suis fier de cette partie. Battu un 2093, ça a pas dû arriver souvent dans cette playlist. Bon. Et ben voilà pour ce soir, merci à tous. À bientôt. Ciao.